Je suis désolé, mes frères bien-aimés, que vous ne puissiez pas tous vous asseoir, mais que faire, que faire? Nous prévoyons un agrandissement de l'Église. En tout cas, mes frères, ce qui est important aujourd'hui, c'est de célébrer notre mère avec beaucoup d'amour. Un jour, et c'était à Nancy, le père Lacordaire, en commençant l'une de ses prédications, s'écria « Mes frères, je vous apporte le bonheur. » Eh bien, mes frères, ce matin, laissez-moi vous dire qu'à mon tour, je vous apporte le bonheur en déployant sous vos yeux, éblouis, je l'espère, l'incroyable assomption de notre mère à laquelle il faut pourtant croire. Événement tout à fait unique, puisqu'en principe, bien que Dieu puisse encore nous faire des surprises, Marie est à ce jour la seule créature à être montée au ciel avec son corps, soutenue par les anges et emportée par la puissance de ses ailes. Il paraît que le prophète Élie aurait lui aussi disparu dans les nuées, c'est fort possible. En tout cas, ils ne sont pas plus de deux à avoir franchi la terre sans descendre dans la terre. Pour en revenir à Marie, selon la tradition, et la tradition est plus que fiable, alors qu'elle était âgée d'environ 70 ans et qu'elle se trouvait je ne sais où, à Jérusalem ou à Éphèse, mais cela n'a aucune importance, un beau jour, ou peut-être une nuit, elle fut élevée au septième ciel avec son corps. Pour cet ultime voyage, avait-elle les yeux fermés ? Clos par la mort ou par un profond sommeil, ou bien avait-elle les yeux ouverts? Nul ne le sait, pas même l'Église qui n'a jamais osé se prononcer, de peur sans doute de perdre son infaillibilité en se trompant, et elle a bien fait. Certains mystiques, et pourquoi ne pas les croire, ont affirmé que la Sainte Vierge n'aurait pas pu connaître un sort différent de celui de son Fils. Elle serait donc morte pour de vrai, comme disent les enfants, avant de disparaître comme lui de son tombeau. À Jérusalem, près du jardin des Oliviers, où Jésus s'agenouilla de toute sa tristesse en jouant les dernières heures de sa vie, on peut d'ailleurs visiter une prétendue tombe de Marie, extrêmement impressionnante, et je vous avoue avoir été moi-même bouleversé en contemplant la dalle sur laquelle elle aurait reposé, une dalle parsemée de larges cavités de plus de 20 cm de profondeur, creusées uniquement par les caresses que les hommes ont offert et offrent encore à cette modeste pierre depuis 20 siècles. Quoi qu'il en soit de l'authenticité de cette tombe, ce qui jaillit de ce lieu, c'est évidemment l'immense amour dont Marie est l'objet, de la part du cœur humain qui toujours éprouve le besoin de toucher pour aimer. À chacun son geste, à chacun ses baisers. À l'heure présente, très sainte Vierge Marie, bien que vous entendiez ma voix, je ne peux pas vous toucher, je ne peux pas vous embrasser, et pourtant ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Alors je vous touche avec le cœur, et je vous rejoins plus vivante que jamais dans le ciel, belle comme aucune autre créature ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Voilà tout le mystère de l'Assomption, mes frères bien-aimés. Il tient en quelques mots. Marie, vivante actuellement, respirant au ciel en ce moment, avec son cœur et ses poumons, touchant à son tour avec ses mains le corps de son Fils et baladant ses yeux dans les allées du paradis. Mes frères, tout cela nous dépasse amplement et c'est normal. Jamais ici-bas nous ne parviendrons à cerner toute la vérité sur Dieu, sur Marie, sur le monde surnaturel et même sur l'homme. Souvent l'on s'imagine avec nos pauvres yeux voir très clair en ce bas monde et pire encore dans le haut. En vérité, je vous le dis, on ne voit pas grand-chose, mieux encore, on ne comprend pas grand-chose. Sans compter que nos a priori, nos préjugés nous brouillent encore la vue. Et en vous disant cela, ne croyez pas que je nie par là la puissance de l'intelligence. Je rappelle simplement que face à un mystère comme celui de l'Assomption, il y a mieux à faire que de le comprendre avec ses neurones, il y a à le recevoir en plein cœur et en s'en réjouir. Par le passé, les théologiens n'ont pas manqué de rappeler les raisons qui justifient le fait que Dieu n'ait pas voulu que le corps de Marie pourrisse dans un tombeau. Et voici très succinctement leur position qui est celle de l'Église. Marie, étant sans tache ni ride, sainte et immaculée, exempte du péché originel, sans connivence avec le mal et son auteur abject, donc pure à l'extrême,
Et de plus, Marie, ayant porté dans son ventre la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, son corps, pourtant putrescible comme tous les corps humains, ne pouvait que connaître un sort particulier, celui de la préservation ultime. Ça se tient. À ces raisons légitimes s'en ajoutent deux autres que je me permets de joindre. Elles valent ce qu'elles valent, mais je les crois justes. La première, c'est que Dieu notre Père fait ce qui lui chante. Et il avait tout simplement envie que dans le ciel, la beauté de Marie continuât d'être contemplée par les anges et par les défunts. Et la seconde, c'est que Dieu notre Père exècre la mort et ses conséquences, qui sont l'œuvre de Satan dans le monde créé. Oui, mes frères, laissez-moi rappeler cette grande vérité. Au commencement du monde, le démon ayant poussé les premiers hommes à se séparer de Dieu, l'univers entier a été chamboulé dans sa structure. Les hommes sont alors devenus, au sens strict, périssables. Et la nature humaine s'est retrouvée dans de beaux draps, dans des draps qui ressemblaient alors à des linceuls. Et c'est pourquoi, mes frères, je vous supplie de ne jamais accuser Dieu de la mort d'un être. C'est Satan qui est l'inventeur de la mort. C'est lui qui est le prince de la destruction, l'amoureux du morbide. Dieu aime la vie. Et la mort est horrible, mes frères bien-aimés. Je la hais. Depuis le jour, pardonnez-moi cette confidence, où je vis de mes yeux d'enfant le corps rigide de ma mère, ne répondant plus à mes appels pourtant désespérés. Aussi, je ne veux pas croire, et je ne croirai jamais, que la mort est le dernier mot de la vie. Alors là, pour le coup, ce serait absurde. Naître passe encore, mais naître pour mourir, ce serait ridicule. Et puis travailler, souffrir, lutter sur tous les fronts pour terminer dans un trou. Oui, je le redis, ce serait une absurdité, un non-sens absolu. Cela n'est pas possible. Pardonnez mon langage relâché, mais nous n'avons pas été créés par Dieu pour crever. Sans compter que nous sentons en nous poindre la soif de l'éternité, planquée derrière notre désir plus ou moins avoué de ne jamais mourir. Mais oui, avouons-le, ou du moins de ne voir mourir personne autour de nous, surtout ceux qui nous sont chers. Et quand nous aimons un être et que nous sommes aimés de lui ou d'elle, reconnaissons que nous ne voudrions que jamais cet amour ne s'arrête. C'est par là que l'éternité se devine. Et quand un médecin vient à mots voilés nous annoncer que notre vie est en péril parce qu'une maladie mortelle ronge notre corps, c'est inévitablement l'effondrement intérieur. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'au plus intime de nous-mêmes, nous voudrions que notre vie ne s'achève jamais. Ce ne sont là certes que des indices, mais ils ont leur valeur pour indiquer que le terme de la vie ne se joue pas dans le cimetière Saint-Pierre. Par conséquent, mes frères, vous qui avez la foi, et je veux la voir avec vous, ne redoutez pas la mort. Même Voltaire, qui ne fut pas un pilier de sacristie, mais dont l'intelligence doit être saluée, a écrit un jour à l'une de ses vieilles amies qui commençait à sucrer les fraises, les mots que voici. « La mort n'est rien du tout. L'idée seule en est triste. N'y songeons donc jamais. » Et vivons au jour le jour, la journée. Ô mes frères, que cet homme est sage et qu'il est bon de le suivre, au moins sur ce point. La mort ne doit donc pas nous inquiéter, puisqu'au fond, elle n'existe pas. Celui qui croit en moi, dit le Christ, ne mourra jamais. Parole d'Évangile. Et puis pourquoi s'inquiéter ? Cela ne sert à rien. Sinon à nous faire perdre des forces intérieures et à blesser notre morale. La mort viendra nous surprendre, comme elle sait si bien le faire, au moment où on ne l'attendait pas. Il est donc inutile de lui prêter attention et de vivre les fesses serrées en attendant sa venue. En revanche, mes frères, tant que la vie est en nous, profitons-en, vivons à fond, ne perdons pas une seconde, son terme seul ne nous appartient pas. En ce grand jour où l'Assomption de Marie vient nous révéler avec beaucoup de réalisme que nous serons nous aussi emportés un jour jusque dans les bras de Dieu, je voudrais, pour en finir avec la mort, je voudrais vous raconter un fait tout simple qui m'a profondément touché et qui appartient à la vie du grand homme de théâtre
que fut Jean-Louis Barrault et que j'estime au plus haut point. Le 14 juin 1939, il se trouvait auprès de sa mère qui était à l'agonie, quand soudainement elle lui fit signe de s'approcher et elle lui murmura à l'oreille « Si tu savais, c'est merveilleux !» Et ce petit mot qu'elle déposa dans l'esprit de son fils suffira à bouleverser toute sa vie. Aussi, mes frères, j'aimerais que ce matin, nous nous disions les uns aux autres, et en grande sérénité, la mort, mais c'est merveilleux. C'est d'ailleurs ce que la Sainte Vierge a dû penser quand, après avoir fermé les yeux, elle s'est sentie soulevée de terre et emportée dans le bleu du ciel, qui était ce jour-là assorti au bleu de sa robe. Vous allez me dire, mais comment savez-vous que sa robe était bleue? Mais ça va de soi, mes frères. Le bleu est la couleur de Marie. Les peintres nous l'assurent. Et il faut toujours les croire, ces grands inspirés, qui par leurs œuvres éternisent le temps. Le bleu est une couleur royale, et Marie est bien reine. Le bleu évoque la paix, songez au casque bleu. Et Marie est reine de paix. Mais c'est aussi la couleur des veines. Marie, autrement dit, si vous voulez, du sang devenu bleu, qui un jour cessera d'irriguer le corps, et qui renvoie à l'idée de mélancolie. Ce n'est pas pour rien si l'on dit parfois que l'on a le blues, c'est-à-dire le bleu. Et en s'habillant en bleu, la Sainte Vierge nous dit par là qu'elle nous soutient dans nos tristesses et dans nos peines intérieures. Allez, mes frères, restons des enfants, ne soyons pas trop rationnels, ne perdons pas la poésie de la vie. Après son Assomption, au cours des temps, très souvent habillée de bleu, eh oui, Marie s'est rendue aux quatre coins de l'univers, apparaissant et disparaissant au gré de la volonté de son Fils, notamment pour redire à ses enfants de la terre que nous sommes toujours tentés par la désespérance, que la vie éternelle existe. Aussi, mes frères, si nous quittons ce matin cette église sans en être persuadés, nous ferons pleurer la Sainte Vierge et sa fête sera gâchée. Mais il n'en sera pas ainsi parce que vous avez la foi. Mais continuons. Après avoir rappelé que le corps de Marie est entré au jour de l'Assomption dans l'univers invisible, l'Église ne veut pas que nous oublions l'essentiel, à savoir que son âme est aussi montée chez Dieu. C'est donc tout l'être de Marie qui est aujourd'hui glorifié, cet être devant lequel, je ne crains pas de l'affirmer, Dieu est en extase. Ah, l'âme de Marie, mes frères, mais quelle merveille! Et où pourrions-nous mieux la découvrir, dites-moi mes frères, que dans l'évangile que la Sainte Église fait entendre en ce jour à tous les catholiques de la terre? En cette solennité de l'Assomption qui bat tous les records d'audience, puisqu'en ce jour pratiquement toutes les églises sont pleines, le Saint-Esprit demande expressément à chaque chrétien de contempler Marie quand elle partit visiter sa vieille cousine Élisabeth, enceinte par miracle. Merci le Saint-Esprit, car grâce à vous nous allons, à la manière de Dieu notre Père, nous extasier à notre tour devant Marie, avec, espérons-le, le désir de l'imiter. Car c'est bien beau d'honorer notre mère et d'accrocher sur sa poitrine toutes les médailles de la terre, l'ordre du mérite en tête, mais encore faut-il chercher à lui ressembler. C'est bien préférable. Alors allons-y, allons-y, contemplons Marie, âgée tout juste de 15 ans. Regardez-la toute pimpante, portant dans son sein le Fils de Dieu. Laissez-moi vous dire tout de suite que personne dans son entourage n'était au courant de ce grand mystère. En effet, Marie n'a pas pipé mot du secret qui l'étreignait. Elle n'a pas dit un seul mot à qui que ce soit, pas même à son Joseph qu'elle aimait à la folie. C'est ici la première leçon que la Sainte Vierge nous donne ce matin, à savoir qu'il faut garder précieusement en soi les secrets qui nous ont été confiés ou qui pourraient expliquer ce que nous sommes. Sur ce point, notre temps n'est pas du tout au point. Bavard à outrance, il ferait bien de se raviser. Nous vivons désormais dans un siècle où chacun se raconte, où chacun se dévoile et s'avilite aussi, à force de confier aux uns et aux autres ce qu'il habite, recherchant à hue et à dia la reconnaissance d'autrui. Mais quelle erreur ! Pour vivre heureux, vivons cachés et gardons nos secrets.
Voilà ce que nous enseigne l'Immaculée. Regardez-la maintenant comme elle marche d'un bon pas en direction du village d'Enkarem, avec en elle le trésor des trésors. Elle aurait très bien pu s'enfermer à Nazareth et faire 2 heures d'oraison au pied de son lit en admirant l'œuvre de Dieu dans son sein, mais pas du tout. Marie est une contemplative active et elle sait que la charité, c'est-à-dire le bien à répandre, a plus de prix aux yeux de Dieu que toutes nos contemplations. La preuve en est qu'à l'heure du jugement dernier, c'est sur la charité que nous serons jugés. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas prier, mais cela veut dire que lorsque l'heure d'aimer en aidant est arrivée, il faut tout lâcher, car l'amour n'attend pas et la misère non plus. Prenons-en de la graine, mes frères bien-aimés, si l'on veut que la sainteté pousse comme une belle plante en notre vie. Et puis voyez comme elle est courageuse, notre petite Marie. Elle accomplit en ce jour, et sans nul doute un seul jour n'a pas suffi, 200 kilomètres à pied pour rejoindre le village où habite sa cousine. Et la voici maintenant, j'en mettrai ma foi à couper, toute souriante, plus belle que jamais, devant le rideau à mouches d'Élisabeth. Ce rideau, d'un doigt à présent, elle le pousse. Il me semble alors voir sa vieille cousine se lever de sa chaise et courir vers Marie avec toute sa jeunesse d'esprit. Là, mes frères, tout se mélange, tout s'entrechoque. Le culte marial est en train de naître sous nos yeux, car Élisabeth va prononcer des mots d'une force inouïe qui n'ont qu'un seul but, glorifier Marie. Personne, vous m'entendez bien, personne, pas même Louis-Marie Grignon de Montfort ou Maximilien Kolb, ne parviendra à placer si haut Marie. Écoutez les paroles d'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth n'a pas dit « Comment ai-je ce bonheur que mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Ce qui eût été logique et très théologique. Non, elle a dit « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» D'une certaine façon, on peut dire qu'au jour de la visitation, Marie passe devant son fils. Et pour couronner le tout, et c'est le bouquet, Élisabeth dévoile à toute l'humanité que c'est au moment même où la voix de Marie a retenti que le fœtus Jean-Baptiste s'est mis à danser de joie dans son ventre. La voix de Marie, mes frères, c'est-à-dire le son de sa voix, a suffi pour que le Saint-Esprit sanctifie le petit Jean-Baptiste. Il n'en a pas fallu davantage. Il faudrait que la voix des prédicateurs en fasse autant, mais ça c'est une autre affaire. Mes frères, ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que pour vivre sous le souffle du Saint-Esprit, c'est-à-dire pour vivre selon l'Esprit de Jésus, il faut vivre avec Marie et l'entendre nous parler au cœur, car elle parle dans notre cœur si on cherche sa présence et qu'on lui demande conseil, croyez-moi. Après ce moment de retrouvailles vécu sur le pas de la porte où deux mères sont tombées dans les bras l'une de l'autre, Marie s'est mise alors à chanter son bonheur d'être à Dieu. Plus encore, elle a chanté presque à la Gavroche la victoire inattendue de l'humilité face à l'orgueil humain. Écoutez ce chant à l'allure révolutionnaire, mais il s'agit bien sûr de la révolution de l'amour inaugurée par son fils Jésus. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il renverse les puissants de la terre, il élève les humbles. Ici, mes frères, nous découvrons que seront élevés jusqu'au ciel non pas seulement les humbles de condition, car Dieu n'est pas pour la lutte des classes, mais les humbles de conviction, qui ne se prennent pas pour le nombril du monde et qui, au milieu de notre époque prétentieuse et m'as-tu vue, poursuivent la route humaine convaincus de leur petitesse congénitale. Objectivement, que ce soit bien clair, Marie est la créature la plus dotée du genre humain. Toutefois, ce qu'elle veut, ce qu'elle a voulu et qu'elle veut encore, c'est demeurer la créature la plus humble de la terre et du ciel. Même si aujourd'hui, elle a la lune sous ses pieds, le soleil pour manteau et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Oui, à tout jamais, Marie veut rester la petite Marie de Nazareth, célébrée admirablement par le grand poète Max Jacob, mort au camp de Drancy,
catholique converti jusqu'au bout du cœur, l'étoile jaune sur sa poitrine. Écoutez avec moi le poète magnifiant avec une justesse infinie et une simplicité exemplaire, sa mère et la nôtre. Louange à cette petite fille de la campagne qui a été l'épouse et la mère de Dieu. Elle a reçu la visite de l'ange, elle l'a vue de ses propres yeux. Elle est allée chez sa vieille cousine dans la montagne, celle qui devait être la mère de Jean. Elle n'est qu'une pauvre enfant de la campagne. Sa famille est une famille de pauvres gens. Tant de grandeur, mes frères, se cache dans la petitesse. Les bras nous en tombent, mais pas le cœur. Très sainte Vierge Marie, à nous deux maintenant, car je dois conclure. Vous qui donnez à la mort un point d'orgue merveilleux, vous qui aimez d'un amour maternel sans faille, vous qui permettez que l'on saute sur vos genoux malgré nos déficiences, vous qui nous consolez, qui nous aidez et qui nous formez comme la meilleure des mères, vous qui après la mort sécherez nos pleurs en nous embrassant à pleines joues, vous qui comptez nos bonnes actions plutôt que nos péchés, vous Marie, qui m'avez tant comblée pendant ces 10 années, vous sans qui cette paroisse n'aurait jamais repris vie, en cette belle fête de l'Assomption, je vous rends cette église que vous m'avez confiée et je dépose en votre cœur ces nouveaux pasteurs, le Père Philippe, le Père Benjamin, le Père Guillaume, vos fils de prédilection. Et moi, en ce jour où je célèbre cette dernière grand-messe en votre honneur, permettez-moi de vous regarder dans les yeux, de soutenir votre regard malgré ma misère et de vous dire encore merci, merci pour tout. Très Sainte Vierge Marie, aujourd'hui je suis sûr que dans le ciel, la fête bat son plein en votre honneur. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Je ne voudrais donc pas trop vous déranger en abusant de votre temps éternel. Cependant, si par hasard, au cours de cette journée, vous croisiez votre fils, toujours très entouré, remerciez-le de m'avoir fait confiance. Transmettez-lui mes amitiés et redites-lui qu'il est mon amour à jamais. Amen.